Bonjour YouTube. Je suis un peu boulot sur le volume pour l'instant, mais parce que voilà. On va jouer à Metal Hellsinger, un jeu avec des Metal et des Hellsinger aussi visiblement. J'espère qu'on va trouver tous mes groupes de Metal préférés comme U2 et Imagine Dragon, Kyo, j'espère qu'ils y seront tous. Faut pas répondre, hein, je vous ai déjà dit. Alors, petit 1, ce menu de présentation est super classe. Soyons extrêmement clairs. Petit 2, je vais quand même le noter, hein, parce que ça doit être noté de temps en temps. J'espère qu'il y a Coldplay. Oh putain, ouais, j'espère qu'il y a Coldplay. Bon, ça me paraît évident, c'est le plus grand groupe de métal de tous les temps. Bisous, Ichou, si tu nous écoutes. Ça, c'est le meilleur menu de gestion de résolution que j'ai jamais vu de ma vie, accessoirement. Hein. Qui te dit directement si les résolutions sont 16/9 ou 16/10, tu cliques, tu sélectionnes les trucs. Ce menu est absolument extraordinaire. Voilà, je voulais juste le dire. Hein. Parce que dans la vie, quand vous êtes streamer, vous vous faites chier dans les menus d'options toute votre vie. Qu'il y en a un qui est très bien foutu, faut le noter. Calibrage de la luminosité. Jusqu'à ce que ce soit à peine visible. C'est à peine visible de mon côté. Calibrage audiovisuel. Non, ça devrait aller. J'ai un écran qui a 1 milliseconde de temps de réponse. Ça devrait quand même bien se passer. J'ai confiance. Alors, choix de la difficulté. Bou. Agneau, bou, harpie. Bouc. Ah, c'est un C. Les ennemis sont moins dangereux. Vous pouvez ressusciter. Nous serons plus indulgents sur votre précision rythmique. Les ennemis sont dangereux, vous avez droit à 2 résurrections, mais votre rythme doit être plus précis. Les ennemis sont plus forts, vous n'avez aucune résurrection, votre rythme doit être précis, il faudra enchaîner ces rythmiques, vous servir des sauts, faire monter votre furie, espérer en sortir en vie, et de toute façon, tu vas crever comme une merde. Vous pouvez me modifier à tout moment lors du choix de l'enfer. Bien, bon, bah, on va déjà commencer en normal, et puis on baissera, si jamais je suis trop une tanche. Parce que ça reste un FPS à première vue. Ah. Oui, madame. D'accord, madame. South heaven, way, way south. Tant qu'on en fait. There was this soul. Ah. Special, I mean to say. This soul came to hell just like a tune comes into your head. Bonjour, nobody madame, I guess. Where from? All they knew, she had a score to sell. Now, demons not being the most creative types, they just called her the unknown. Oui, non, effectivement. But hell is hell. Down there, they take away what you love most. Took her voice. Ah. Now, what you need to know is, she won't get back. Vous savez quoi? Ça me va comme scénario, ça. J'ai pas besoin de plus. Ça me va très bien. Bonjour Zack Tribe. And is here the Red Judge, ruler of the hells, the devil with a capital D. Oui. Bah, je vais les découper avec un D majuscule. Judge personally saw to the unknown, and just to make sure the unknown didn't cause any more ruckus, the judge locked her up tight with unbreakable magics. Ah. No way out. She was trapped. She was down there a long, long time. Just getting madder. Would stayed there forever if I hadn't called. See, the thing is, just because the unknown couldn't break those magic gates herself, don't mean they can't be broken. And just because Judge stole her voice. C'est extrêmement stylé. Même si les cutscenes comme ça, c'est ce que j'appelle moi les cutscenes en a budget. C'est quand vous avez pas beaucoup de budget pour les cutscenes, vous faites des images fixes à peine animées, c'est très bien. Hein, c'est pas une critique. Mais dans le genre, en plus, c'est ultra stylé. C'est vraiment ultra stylé. Et ben, ça va très bien. Bonjour Katana. Bisous, bisous. Ça me fait penser au scénario de Transistor, mais avec du métal. Et hey, en plus avec le petit host, ça fait toujours plaisir. Ah moi je croyais que c'était vraiment juste un truc à la BPM, donc tout connement sans scénario, mais en fait il y a une trame.
Et bienvenue dans la maison du bonheur. Katana Jinbe-san. Bonjour. Bah non, les rigolos. Apparemment, vous voulez négocier. Ça tombe bien. On m'appelle le GIGN dans le milieu. Tac, 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 tac. Ok, il va falloir garder la rythme. Ok, j'essaie déjà d'avoir un minimum de rythmique. Bah c'est fait, non? J'en suis à 8. Ah oui, il faut pas taper dans le vide, du coup. Ce qui fait qu'il est au niveau du sol est un peu plus compliqué. Ok. Je vais y arriver. Hein. Les ennemis qui brillent sont affaiblis. Appuyez sur E en rythme. D'accord. Achevez l'ennemi pour obtenir des cristaux de santé et de score. D'accord, donc on joue avec les règles Doom. Ok. Le E en rythme, il va falloir que je m'y mette parce que mon vieux réflexe de Doom, c'est d'appuyer sur E dès que le mec commence à briller en fait. Ok, il va falloir que je perde ce réflexe et que j'attende un demi-temps au besoin. Ah, bonjour. Oh, c'est choupi. Et ça, c'est funky, par contre. Joli petit effet. Très utile pour maintenir votre furie, même quand il n'y a pas d'ennemis à proximité. Votre furie augmente quand vous effectuez des actions dans le rythme. Une action parfaite, vous gagnerez un plus de furie. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur E là et ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas très grave. Marcher sur le découpleur de furie qui pulse x 16. Ah oui! Grand Dieu! Ah, et la musique qui change selon le degré de furie, ça c'est assez dingo. Par contre, monsieur, vous allez avoir un problème de gorge. Votre furie monte jusqu'au niveau 16 où les voix se font entendre. D'accord. En général, si ça marche pas, c'est que t'es pas dans le rythme. D'accord. Est-ce qu'il faut que je... Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment que je vise précisément sur l'ennemi quand j'appuie sur E? Ou si je suis à proximité, c'est que c'est bon. Parce qu'à ce niveau-là, du coup, si juste être à proximité, c'est bon, c'est effectivement juste une question de rythme. Bon. Ensuite. Ok, non, juste être à proximité, c'est bon. Je peux te backseat si tu veux. On va voir si on a besoin, mais c'est doté. Mais frère, il faut que je pense à passer de l'un ou l'autre aussi.
Ok. Où ils sont? Il y en a encore? Oui. Ok. Tu grattes 15 sur 2 par prudence ou c'est le jeu qui commence comme ça? Alors, je peux hit sur chaque temps. Alors, du coup, je vais essayer, attendez. Parce que juste, je le faisais par prudence, effectivement. Ah, et ça affiche un petit truc de rythmique en bas. Alors, attendez, 2 secondes. Je me chauffe juste, là, tant pis, hein. Tant pis si je crie mon truc. Ok. That's destiny for you. Can't unlock an anguish gate without breaking a few monsters. Ah non, mais tu fais bien de poser la question parce que moi dans ma tête en fait j'arrivais pas à taper sur chaque coup, mais en fait si. Donc pourquoi je me fais chier? C'est une bonne remarque. Bon, de toute façon c'est un jeu de rythme. Normalement le rythme c'est jamais vraiment le pire problème chez moi. The first hell was Vogue, full of cold and ice and despair. Salut à Vie et Nina. J'ai tapé Vienne. Salut Nina. Voilà. Et salut Vircro! Bon, je pense qu'il y en a certains qui veulent négocier. Écoutez, moi je suis open. En fait, le truc, c'est que si je tape à chaque coup, j'ai peur de taper un coup dans le vide plus facilement. C'est ça. Mais on va se chauffer. Quand la barre d'ultime jaune clignote, déclenchez l'attaque ultime avec clic droit. D'accord. C'est... ok. Ah ! J'en ai pas besoin. C'est gentil, mais... je garde ça sous ma mémoire. Cambion starts the murder parade. D'accord, faut pas que j'oublie de faire les kills. Et faut pas que j'oublie aussi que la furie... C'est quoi ce truc? Ah bah voilà autre chose. Et celui-là ne tire qu'un 100 sur 2, parce qu'il y a un temps de rechargement. Ok. Est-ce que le rechargement doit être longtemps aussi? Pourquoi je suis pas arrivé? Appuyez sur E. Ok, c'est bon. D'accord. C'est pas fini encore. Non, c'est bon. On va juste récupérer ça. Chaos.
crystal nearby somewhere. Alors oui. D'accord. Je sais que c'est cliché comme remarque, hein, je me demande tout le monde comment, toujours comment ils chantent comme ça sans faire mal à la gorge. Ok. Bonjour Cassis. On rythme avec les chevrons dynamiques dorés. J'en vois même pas de doré. Ah si, ça y est. Alors, je veux bien, mais encore une fois, hein. Est-ce que c'est moi qui suis vigueux? Parce que, attendez. Salut Mez. Non mais on est d'accord qu'il n'y a pas de truc doré là, vous voulez que je fasse comment? Bon. D'accord, pendant que ça charge, il faut que j'appuie. Ok, d'accord. Donc pendant que ça charge, il faut que j'appuie deux fois et ça me fait recharger plus vite, c'est ça? Ok, c'est bon, je crois que j'ai compris. Attendez, je vais réessayer. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. C'est bon, c'est pour le break un peu, c'est important dans un morceau qui a un petit break. C'est le bordel! Faut pas que j'oublie le... ça.
Merde, ils sont où? Ah, bonjour! Il est où? Ah! Je suis coincé! Je suis coincé dans le mur! Tout va bien. Ok. Knowledge of myself. My ultimate, I guess you could say. Ah, moi ça me rappellerait Doom 2016, mais sans. C'est sans la fioriture, disons. Sans le. Va chercher des clés à droite aux quatre coins du truc. Non, non, c'est. Sec. Y'a un dash! Me parle. Ah. Et merde. Oh putain, le multiplayer qui redescend x4. C'est violent quand même. Ah, et j'ai pas cassé ça. Qu'est-ce que ça me rapporte de casser ça? C'est des points ou... Bonjour. Je sens qu'on va rire. Salut Yoshikta. Et bonjour Mamba aussi au fait. Je t'ai même pas dit bonjour, excuse-moi. Ah oui, bonjour. Alors par contre, madame, vous avez un visage, vous avez des ailes, mais il manque le reste. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on en parle? Pratique ça. Ah oui, merci. C'est un peu stressant quand même. C'est un peu dur de streamer et de montrer ce jeu en même temps parce que ça demande une concentration. Quand tu veux, Josiane. Bon bah je crois que si en fait Josiane. Bonjour Netgang. Je crois que je vais y aller du coup, si ça te dérange pas, hein. Bisous. Les jeux de rythme en général c'est pas simple d'animer ce qu'on te découvre, c'est vrai.
Parce qu'ils font le même avec de la K-pop. J'aimerais beaucoup l'idée. Bon, par contre, difficulté normale, c'était le bon truc pour moi. C'est comme ça reste basé sur le rythme et que je m'en sors quand même à peu près en jeu de rythme, ça va. Mais alors, du coup, expliquez-moi. Est-ce que je fais plus de dégâts selon le multiplayer ? Est-ce que je fais plus de dégâts dans le rythme ? Ça, j'ai compris. Je fais plus de dégâts selon le multiplayer ou le multiplayer, c'est juste pour le score ? Et ça n'a aucun rapport sur les dégâts que je fais. Parce que j'avais l'impression qu'en dégâts en multiplicateur x16, je faisais plus de dégâts, mais c'était peut-être complètement mental, en fait. Parce que ça, pour le coup, pour l'instant, c'est pas encore super clair. Probablement les deux, mon capitaine. D'accord. Et demain, je suis pas sûr, mais le score, oui. D'accord. Venu à un but du buzz, vous avez accès à de nouveaux supplices. Meurtre sur le beat. Moi, effectivement, il y a déjà eu des meurtres sur mon beat. Arsenal Mystique et Voldrick. Je dois être la première personne à faire ce jeu de mots. Et j'ai obtenu Perséphone. Père en efficacité avec les distances. C'est le principe de la shotgun, Kevin. Merci beaucoup. Vous obtenez le bonus intarissable Fury pour ralentir la vitesse à laquelle descend la Fury. Ce bonus s'effectue lorsque vous effectuez une série rythmique de 6. Bah, avec plaisir. 22% Fury x16. Vous savez quoi? Je suis fier de moi. Je prends ça comme une victoire. Ah, par contre, j'ai pris beaucoup de dégâts. Et la vitesse, c'était pas top. Sincèrement, 91% des machins en rythme, c'est bon, hein. Avouez que 91% des machins en rythme et 101 meurtres en rythme, ça va, hein. C'est... pas déconner. J'aurais pu faire plus de kills en achevant les monstres. Ça, c'est mon point, mais bon. Top 50 000 mondial. Avouez le respect, je veux dire. Est-ce que je peux avoir mon classement ami ? Est-ce qu'il y a ça ? Attendez. Déjà voir le top 10 mondial. 39 millions. Ah, voilà. D'accord. Ok, Celzar. D'accord. Oui, bon, en même temps, c'est Celzar. Il est pas humain. Hein. C'est... littéralement, le mec est au croisement de l'homme et la machine. Donc, je vais pas commencer non plus à me comparer à ce qui est pas comparable. D'accord, les supplices, c'est des modificateurs de... Terminez ce supplice pour débloquer gardien du rythme 1, conservez vos séries rythmiques. C'est-à-dire que, alors, si je comprends bien, c'est des modificateurs, donc avec difficulté supplémentaire de... améliore vos munitions à chaque fois, mais... c'est l'archidémon qui décide quelle arme vous brandissez. Décuplez vos dégâts en tuant les ennemis tout en respectant le rythme. Ok, donc ça c'est ce que je dis. Donc ça, c'est un modificateur. Et si je termine... simplement terminer le niveau avec ça, ça me file des bonus que je peux utiliser dans les trucs suivants, c'est ça ? Genre conserver les séries rythmiques, améliorer les munitions à chaque fois que vous changez d'arme. C'est des défis qui donnent des bonus une fois terminés. Et des bonus qui sont pour tous les autres niveaux, hein. C'est pas que pour ce niveau-là, on est d'accord. Les reliques en or vous confèrent temporairement le pouvoir d'Elphas. L'archidémon Cupide, en accumulant les reliques, il a su gagner en puissance. Accélère le bonus d'obtention de série rythmique. Mais c'est très très bien. Mais c'est vachement bien comme idée. Mais je valide totalement. Parce que ça, c'est le genre de truc, effectivement, qui existait un peu dans Doom 2016 aussi, mais qui était planqué dans le décor. Et je l'ai fini à 100% Doom 2016. Alors attendez, vous voulez... attendez, je vais baisser un tout petit peu la musique. Vous voulez que je prononce une série de mots qui vont me faire hurler ? Je peux prononcer une série de mots qui vont vous faire hurler comme jamais vous avez crié devant un écran. Écoutez bien. J'ai fini Doom 2016 à 100%. Donc tous les secrets trouvés, toutes les cabines de défis finies, etc. Sur PS4. Voilà. À l'époque, j'avais pas un PC qui était décent pour le faire tourner, donc je l'ai fait intégralement sur PS4 à la manette. Hein. Donc voilà. En 30 FPS. Donc... the way it's meant to be played. Donc, d'un côté, j'ai envie de faire ces trucs-là parce que ça me débloquerait des choses qui faciliteraient à mort le truc. De l'autre côté, on va pas faire le même level en boucle 40 fois non plus. D'accord. Alors, attendez. Ah, on peut même pas écouter les chansons suivantes. Vous avez ce petit craquement de vinyle. L'autre fois, on va continuer le jeu, hein, tout de suite. Je suis retombé dans des vieux clips de la chaîne.
Et je suis tombé sur un clip en disant non, mais si je commence à parler comme ça, la prochaine étape, c'est que je deviens de ces connards qui arrêtent pas de dire ah, le son du vinyle, c'est tellement meilleur, c'est tellement mieux, etc. Et j'ai vraiment pas envie de devenir ce genre de trou du cul. Ma platine vinyle est là, ma collection de 35 vinyles est là-bas, juste hors de la caméra, là-bas, ici. Là, vous voyez ma main ? Regardez, elle est là. Voilà. Donc, mourir en héros ou vivre assez longtemps pour devenir le vilain. Donc, 2016, j'ai joué 10 minutes, j'ai eu la gerbe et mal au crâne, et c'est ma copine qui en a profité. De la gerbe et du mal au crâne ou de 2016 c'est pas clair, la QRAT. Vous faites ce que tu fais ce que tu veux avec ta copine. Moi, je suis pas là pour juger. Hein. Je... De Doom. Mmh, ouais. Mmh. T'en fais pas, on se comprend. Bonjour l'astéroïde. Ah putain, j'ai envie. J'ai envie, mais je sais pas lequel. Non, mais on va pas faire le même niveau en boucle. Avance, Ferragul. Allez, let's go. Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis en train de découvrir ce jeu et ce jeu est ultra bien en fait. D'accord, toujours sélectionné, mais ce qui veut dire que je pourrais sélectionner d'autres armes. Et d'autres sauts, et donc ça c'est le choix, ok, choix de l'enfer. Ah oui, donc c'est là où je peux changer le niveau de difficulté. Parce qu'effectivement je peux mettre ça, d'accord, si j'ai envie. Ok. C'est des arènes de défi, pas des niveaux. Ah bon, on va tenter ça alors, let's go. Oui, bonjour. Oui, madame. Oui, Zerator, Mr. MV, Ponce, Dr. Phil... Oui, je les connais, ouais. Best to not dwell on it, but as punishment, they got chopped up and cast across the hills. Ah. Thing is, they only got mostly killed, you see, because the hate the dead. Quelle dinguerie avec le petit talk sur 70-30. Merci beaucoup l'astéroïde. C'est gentil comme tout. Je vais le balancer sur YouTube le talk sur 70-30 ce soir d'ailleurs. Whoever managed to best these torments and gain those sigils, why they be walking away scot-free with infernal power. For most folk. That's just a temptation too great to pass up. J'avoue qu'effectivement. Like I was saying, this tormented realm was formed by the death of Amdusius, a fairly whimsical archdevil. As archdevils go, I suppose. Bella tried to march to his own. J'aime dire la voix qu'il est, le fait qu'il ait une voix de fermeur du Texas, en fait. What do you know? It worked for him. Oh yeah, motherfucker, yeah, got jammed on Sky One on the farm without front truck, pickup truck, change it for Cherokee. Pardon. Excusez-moi, concentré. Tuer 40 démons en rythme. Temps 10 secondes, plus 4 secondes, plus 3 secondes, plus 3 secondes par ennemi tué. Niveau de furie x 16. Ok. C'est bon, je pense que j'ai compris. Alors. Je peux pas bouger ? Si. Oh yeah! Ah,
vache. Ah la vache. Famille de Texas, c'est déjà une vision de l'enfer ou soi. Eh, du coup, niveau 3. Ah bah parfait. Tu peux les faire de relativement loin les exécutions, notez. Alors, tu vois, pour autre que ça me termine, c'est vrai qu'il y a ça. C'est quoi ce jeu? Alors, la QRT, si tu connais BPM, Bullets per Minute, déjà ça donnera une idée parce que c'est grosso merdo le même concept. C'est-à-dire un FPS qui doit être joué en rythme, sauf que là, déjà, il y a beaucoup plus de moyens. On est sur un jeu qui est très beau, qui est très bien optimisé sur PC aussi, il faut le dire. Et avec une BO sur laquelle il y a pas mal de groupes de métal, dont les chanteurs de Arch Enemy et de System of a Down, entre autres, qui sont venus poser des vocals. Il est sur PC, je suis foutu. Alors non seulement il est sur PC, mais en plus il est dans le Game Pass, si je dis pas de conneries. Mais oui, il est totalement sur PC. Et le principe, du coup, c'est qu'il faut faire des actions en rythme pour faire augmenter le multiplicateur, etc., etc., etc. Et encore, hein, je vous cite Arch Enemy et System of a Down parce que c'est les deux groupes que je connais. Mais alors attendez, je récupère de nouveau le machin parce que je sais même pas si j'en ai parlé alors que la vidéo YouTube était déjà en train de tourner. Mais on a du coup les chanteurs de Dark Tranquility, Arch Enemy, Ginger, G-I-N-G-I-R, je ne connais pas, Trivium, Black Crown Initiate, Soilwork, Lamb of God, Refused and Invsn, I-N-V-S-N, et System of a Down. Et du coup, le système en plus que je trouve super bien pour te mettre dans le groove, c'est que donc t'as un multiplicateur de score qui fait x1, x2, x4, x8, x16. Et à chaque fois que tu montes de multiplicateur, la musique monte en fait. C'est-à-dire que ça commence juste avec. C'est juste les chanteurs. Oui, toutes les X sont composées par Two Feathers. C'est juste les chanteurs qui posent les voix. Oui. Du coup, tu commences avec juste la rythmique en x1, et puis après, t'as les grades qui commencent à apparaître dans le x2, et quand tu arrives à x16, c'est les voix qui apparaissent. C'est. Pour résumer, Elton dans le milieu, c'est pas des rigolotes. D'accord, noté. Ce sont des gens qui seraient pas forcément sur la 24ème scène du Hellfest, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est des gens qui seraient peut-être plus dans la majorité sur la première ou deuxième scène, grand maximum. Dûment noté. Bien. Vous pouvez toucher ou agir en haut du rythme une fois avant de perdre la série rythmique. Si votre série rythmique est réinitialisée, le nombre de secondes chance l'est aussi. Ok ! Plutôt crack-mass. Est-ce qu'il y a des groupes finlandais de death metal avec des morceaux de 17 minutes comparés de Borgorhythme pendant 15 minutes ? Je crois que c'est tout le metal finlandais, ça, si je dis pas de bêtises. Orange ? Ou alors le Hellfest ? Non, mais alors le Hellfest, je sais. Hein, je parle. J'ai discuté assez régulièrement avec Dollywood pour savoir. Mais bon, voilà. Hein. Bon, on va encore essayer celui-là aussi. Est-ce qu'on essaye celui-là ou on essaye l'autre ? Et l'autre, il fait quoi de nouveau ? Attendez, j'ai oublié. Accélère l'obtention. Oui, bah on va faire celui-là plutôt. Bonjour, Ned Gang. This realm here was built by the expiration of Halfus. Ah. This guy, see, he didn't start out as an archdevil, no, more like an infernal cockroach, if I'm being charitable. D'accord. He was smart, and above all, greedy. This fella collected powerful relics, and with those, he rose up. La question, c'est combien de reliques je peux équiper à chaque fois. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça fait si je fais pas 3 étoiles. Parce que je suis un peu curieux. Ramassez les reliques pour accroître temporairement vos dégâts et vos attaques ultimes et vos munitions. Ok, d'accord, donc c'est... 3 reliques, ok. C'est kill confirmed, basiquement. 2 reliques, ok. T'avais passé ma BD sur Twitter là-dessus, c'est pas toi qui avais... Oren qui vient de s'auto-taguer. Intéressant. C'est un trip, c'est... Moi aussi, régulièrement, quand j'ai personne à qui parler, je me parle à moi-même. C'est pas forcément... Voilà, j'ai pas envie... Pas spécialement envie de traîner là-dessus pendant des plombes. Et si t'arrives pas à 3 étoiles, tu dois recommencer. Ok, d'accord. Ok, l'intérêt de mettre 3 étoiles alors. Non mais... Il y a un moment, la politesse, ça existe, hein. Ah, il y a munitions infinies dans mon arme. Ça se débloque, ça? Je vais crever.
Facile ? Facile ! Je veux dire, bon... Easy peasy, quoi. C'est pour les défis spéciaux, les munitions infinies, d'accord. Je pense que quand je suis en mode furie, j'avais des munitions infinies, ou alors j'ai complètement craqué, peut-être. C'est... Un bonus de série rythmique. Bon, ben, ces deux bonus-là, ensemble, ça fait déjà que ça devrait faciliter un peu le taf. Bon, essayons le niveau suivant avec ces deux bonus-là, déjà. Alors oui, tu vas me les mettre. Vas-y. Vas-y, mets-le-moi. Vas-y, vas-y. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez toucher et agir en rythme... Ah oui, donc quand on est touché, ça reset. Oui, ça reset aussi, c'est normal. D'accord. Et ça... Bonus des séries rythmiques sont obtenus plus rapidement. Bon. Ben, ça devrait déjà faciliter un peu le taf. À mon avis, c'est les deux bons choix, ça. Mais ce qui veut dire que je viens de comprendre un truc. Regardez cet homme. Vous voyez cet homme ? À part sa sexiness, cet homme vient de comprendre quelque chose de grave. Oh putain, mais j'aimerais tellement. Oh, j'espère qu'ils vont modder Evanescence dedans. Bring me to life. My immortal. Boom, boom. I'm so tired of being here. Mauvais potard. This world will never heal. The sun is not a father. Et naturellement, l'autre mode hein, que tout le monde attend. Hein. Je veux juste une dernière danse. Durch den Monsoon. Pardon, excusez-moi. Donc, excusez-moi, pardon. Allez, on enchaîne. Donc, allez, en enfer, oui. Là, on y est, oui. Killing that bit of the judge gave her some of her voice back. Gave us both a chance to get back what we'd lost. Rip it from the judge, piece at a time. Judge. Bonjour les Ozotrons. So she called up the strongest devils to her throne. Ah, bonjour les kids. One after another they came to form a council of war. They called. Oui, avec le système de rythme, avec le système de bande son qui progresse au fur et à mesure, ce serait vachement chaud. Mais remarque que. La scène monique de Fuser est en train d'exploser en ce moment. Et dans le genre truc chiant à modder, ça se pose là aussi. Hein. Faudrait que je vous montre ça d'ailleurs, à l'occasion. Quand on aura un petit trou dans un stream, je vous montrerai les. Ce que c'est devenu Fuser avec les mods partout. J'ai vu dans Trax qui est devenu Tokyo Hotel, c'est devenu autre chose, parle-moi-en. Les Ozotrons, ça m'intéresse. Just so we're being clear, oui. That old skull is me. Oui, ça je m'en doutais un peu, oui. Ah, Malakai Black, oui. Ah, je sens que Malakai, il va passer un mauvais moment. Lie, but don't lie to the judge. You gotta be done for that. Then again, this Joker here, well, let's just say somewhere a village was missing their idiot. Somewhere a village was missing his idiot. Ça, j'aime beaucoup. Les dialogues sont très bien. Ah, mais il y a plein de jeux qui sont comme ça. Hein. Alors, l'astéroïde, on va prendre deux secondes en début de niveau pour parler un peu de ça. Mais il y a plein d'excellents jeux qui permettent d'importer leur musique. Il y a Audioser qui est très connu. Il y a la série des Beat Hazard qui sont vraiment partie des meilleurs jeux de ce type-là où tu peux effectivement très très bien importer des titres et ça s'adapte extrêmement bien. Il y a une chier de jeux qui font ça très très bien, d'importer des morceaux random et de faire... Mais le problème, c'est que là, les niveaux sont vraiment super bien conçus par rapport à leur rythmique, etc. Pour ce que j'en ai vu pour l'instant. Donc bon, bref. Toujours est-il. Spin Rhythm, oui, c'est ça, Spin Rhythm, il faut mater... C'est-à-dire qu'après, là, on parle de jeux où tu peux importer du MP3 et ça te génère des niveaux automatiquement. Spin Rhythm, il faut mapper les zik, mais il y a plein de jeux dans lesquels tu peux mater les zik. Mais Spin Rhythm, excellentissime.
Le type s'était inspiré d'AudioSurf. Bah oui, AudioSurf, c'est vraiment le jeu qui avait lancé ça, le premier AudioSurf. Extraordinaire déjà en termes de mapper des titres et de faire des trucs. Le deuxième était une chouille moins surprenant, mais voilà. Et Beat Hazard aussi. Si vous voulez des jeux comme ça, je vous les conseille tous les deux, vraiment. Même si AudioSurf a à peu près un coup de vieux, mais bon, voilà. Mais bon, toujours est-il. Je crois qu'il m'a expliqué un truc que je pouvais voler en appuyant sur Space et Dash, qui veut dire, à mon avis, que je peux faire des dashs aériens. C'est parti. Ah bah voilà la chanteuse de Arch Enemy. Ou Arc Enemy, ça se dit comment? Est-ce que je le prononce mal depuis 20 minutes, depuis 2 heures? Parce qu'à ce moment-là, il faut me le dire maintenant, hein. C'est peut-être mieux. Arc Enemy ou Arch Enemy? Bah en même temps, Zevranou, moi depuis que je me suis lancé dans le DJing, c'est vrai que je garde un petit peu plus de MP3 sur le disque dur. Du coup... Enfin, j'ai beaucoup... vous voulez encore une réplique de connard? Enfin bon, moi c'est surtout des flaques du coup. Un clic droit, je savais même pas que c'était possible. Il y a encore quelqu'un? Oui. J'arrête de me coincer entre les meubles. Hein. Ils sont où? Ils sont où, ces cons? Ah, bonjour. Est-ce que quelqu'un veut encore négocier? Bon, on va récupérer un peu de santé quand même. Ok.
Aïeux. D'accord, ok, toi tu vas être chiant. Pourquoi hurlez-vous, monsieur? Vraiment. Ok. Merde. Merde. Ok. Où ils sont? Là-bas. Ah oui, c'est de l'autre bout de l'écran, en fait. D'accord. Pourquoi tu te sers jamais de ton ulti, Ferragun? C'est la bonne question. Pourquoi tu changes pas d'arme? Bonne question. Ok. Très bien. Je sais pas si encore des ennemis par ici, go. Non mais tire sur le machin, Kevin. Enfin, avec ses poteaux au milieu, c'est très chiant cette arène. Au revoir, madame. Merci d'être passé. Je sais pas où ils sont. Ah, il est là. Ok. C'est très chiant quand tu n'as pas des... que t'arrives pas à trouver les ennemis. Il y a un truc là pour augmenter le multiplicateur. Très bien, on va peut-être pas le prendre maintenant. Prenons si le multiplicateur retombe. C'est pas une meilleure idée. C'était le vide, ça. C'était le vide. On peut le reconnaître au fait qu'il n'y a rien en dessous. Tout va bien. Judges.
Ok, très bien. Ah, il y en a plus ? Bon bah il y en a plus alors. D'ailleurs je vois que mon multiplicateur est bloqué. Ah, elle est de retour, c'est la même ? Oh, mais bon, bonjour madame, c'est pas le problème, mais attendez, on est un peu occupé là, on est... D'accord, ça c'est nouveau par contre. D'accord, les poteaux ne protègent pas, très bien. Est-ce que je peux dasher à travers les attaques ennemies ? Hop là. Merci pour la santé, en tout cas c'est très gentil. Je vois le truc x16 là-bas. Hein. Croyez pas que je le vois pas. D'accord, l'ambiance. Allez. Ah ça y est, donc maintenant c'est bigou, hein. C'est au sol et en haut. Et merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je viens de gâcher mon ulti dans le vent, tout va bien, je le vis bien. Finalement, ça va. Je fais ce que je veux, t'es pas ma mère, c'est hallucinant. Meuf, je t'aime bien, mais j'ai fini Returnal, va falloir faire mieux que ça. Hein. J'allais dire, est-ce qu'il y a des choses derrière moi ? Non. Voilà. Vous avez vu ? Le calme est revenu. C'est dingue de quoi ça tient quand même, hein. Chasse au géant 1, vol de relique 2. Ah. Les dogs. Otage des guerriers du dog Satan, il s'en sortira toujours à temps. Le bonus gain d'ultime amélioré fait monter progressivement votre attaque ultime. Ce bonus s'active lorsque vous effectuez une série rythmique de 14. 14, c'est beaucoup. 54% du temps x16. Écoute. Ah, gna gna, les dégâts. Voilà. Ah, gna gna. Et par contre, bonus de vitesse élevé. J'ai gagné des points avec le bonus de vitesse. Et je gagne des points avec les tirs à la tête aussi. Intéressant, ça. Bon! C'est vachement bien. 32e mondial. Encore une fois, on va aller chercher le score de Celzar pour la déconne. Oui, ok, d'accord. Il est meilleur. Je vais arrêter d'essayer. C'est vraiment vachement bien. En tout cas. Ah, attendez, 2 secondes. Vol de relique 2. Accélère encore le bonus de série plus. Oui, du coup, pour les high scorers, il y a totalement...
Il y a totalement de quoi banquer comme des sagouins en utilisant les reliques avancées. Alors du coup, c'est quoi les autres ? Empêche la furie de retomber sous un certain multiplicateur. Intéressant ça. Ok. Et... inflige plus de dégâts lorsque votre santé est faible. Bon, ça c'est des revenge items. Vous savez ce que j'en pense ? C'est très très bien. On va évoluer, on va passer sur autre chose. Mais c'est vraiment vraiment super bien, bordel. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Metal Hellsinger. Et même moi qui suis pas forcément le mec qui écoute du métal à tous les repas, hein, pour être extrêmement franc. J'apprécie, mais c'est pas forcément mon genre musical de prédilection. Eh ben, je kiffe ma race. En vrai. Gros gros coup de cœur, dites donc. Donc c'est Metal Hellsinger, c'est disponible sur absolument toutes les plateformes, me semble, à part la Switch. Et encore, je suis même pas sûr. Je vais regarder à quel prix c'est, parce que je n'ai pas regardé. C'est à 29,99€. Ah putain, c'est même pas trop cher. Ah, c'est un prix extrêmement raisonnable pour ça. Motherfucker. Eh ben écoutez, c'est un grand oui. C'est un grand oui, c'est un grand cœur avec les doigts. Ah. Je viens d'activer le Big Picture Mode de Steam. Il est temps d'arrêter cette partie du stream. Bonne journée. Au revoir YouTube.